La ministre du Travail et des Retraites, Amber Rudd, a déclaré qu'elle ne croyait plus que partir avec un accord était le principal objectif du gouvernement. Amber Rudd a également critiqué l'expulsion des législateurs conservateurs qui s'opposent au plan de Brexit de Johnson, dénonçant cela comme une atteinte à la décence et à la démocratie. Le ministre britannique des Finances, Sajid Javid, a indiqué que Johnson poursuivait son projet de Brexit et qu'il ne chercherait pas à retarder la date de départ. Nous irons. Le Premier ministre ira à la réunion du Conseil du 17 et du 18, il essaiera de parvenir à un accord. Il ne demandera absolument pas un prolongement durant cette réunion. Le projet parle du 19 comme une date importante, et sur ce point, nous examinerons nos options. Mais notre politique est claire, elle est inchangée, nous partirons le 31 octobre.